Alors, c'est le dernier, the last one, c'est notre grand classement des meilleures machines à café grains de la gamme luxe. Alors, si vous ne savez pas, chez Maxi Coffee, on s'est lancé un énorme défi. Sortir un grand guide annuel qui classe les meilleures machines à café à grains par tranche de prix. On a d'ailleurs déjà publié nos comparatifs des meilleures machines Access, celles qui sont à moins de 400 euros, des machines Evolution entre 400 et 700, des machines Experience entre 700 et 1000, et enfin des machines Elite entre 1000 et 1500 euros. Et je vous ai remis le lien des vidéos et des articles complets dans la description. On finit donc ce grand guide avec les machines à café luxe. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par là? Une machine à café luxe, c'est un espresso broyeur vraiment haut de gamme, à la pointe de la technologie, qui propose le choix de boissons le plus complet que vous pouvez retrouver sur le marché. Et en effet, à plus que 1500 balles, ça peut. Hein. Du coup, logique, quand on met ce prix-là, on a envie de savoir à quoi s'attendre et de choisir la meilleure machine à café possible. Alors c'est parti, voici parmi toutes celles qu'on a testées, le classement des meilleures machines à café à grains luxe. Bon, on attaque de suite avec notre classement de la 10e à la 4e place. Et si vous voulez plus d'infos sur ces machines, je vous ai glissé tous les liens en description, ainsi que celle de notre article blog, si vous voulez aussi retrouver le détail de tous les notes. Alors, 3e place, la Jura Z10. Alors, Jura, c'est des designs sophistiqués, des technologies innovantes et des machines qui ne sont compatibles que avec les produits d'entretien Jura. Ça vous rappelle pas une célèbre marque de smartphone, tout ça? Mais bon, du coup, rien d'étonnant à ce qu'on retrouve une machine Jura à la 3e marche du podium des meilleurs expresso broyeurs luxe. Et c'est la seule machine de notre podium qui est en monograin monobroyeur. Elle a même devancé d'autres machines multibac. Alors, si vous voulez une machine qui fournit d'excellentes extractions café et qui ne démodera pas dans le temps, misez sur cette Jura Z10. Déjà, visuellement, encore une fois, on est sur un design Jura, donc intemporel, épuré, soigné, et la Z10 n'est pas en reste côté durabilité. Je vous parlais des produits d'entretien Jura, en fait, ils sont conçus pour faire durer plus longtemps votre machine. Et pour les fonctionnalités, vous retrouvez des technologies iconiques de la marque suisse, comme ici le Product Recognizing Grinder, qui permet d'adapter automatiquement la finesse de la mouture en fonction de la boisson que vous avez choisie. Et c'est une des raisons qui explique que cette machine soit si bien notée sur ses espressos. D'ailleurs, petit bonus, le broyeur se vide après chaque boisson pour permettre cette techno. Vous retrouverez aussi d'autres fonctionnalités encore plus innovantes. Je pense au Cold Extraction Process avec lequel vous pourrez préparer de saveurs au cold brew par exemple. 2e place, la De'Longhi Maestosa. Alors, on ne déroge pas à la règle, la 2e place de notre classement est attribuée à une machine De'Longhi. Mais que serait un de nos guides sans une machine De'Longhi dans le top? Sur la Maestosa, vous pourrez retrouver pas moins de 31 boissons en accès direct. 2 bacs à grains, 2 broyeurs pour le café parfaitement adapté pour chacun et des très belles finitions. Ici, on est carrément sur l'inox sur le côté et du verre trempé sur le devant. Ce sera très classe dans votre cuisine, je vous promets. Du coup, on peut lui pardonner un peu son écran un peu petit pour cette catégorie de prix et sa connectivité en Bluetooth qui est un peu en décalage avec les autres machines du segment. Mention spéciale pour les boissons lactées qui obtiennent la note parfaite de 5 sur 5 après nos tests. D'ailleurs, c'est la seule machine à café à grains De'Longhi qui permet de couler 2 boissons lactées à la fois. Si dans cet univers haut de gamme, vous consommez beaucoup de boissons lactées, je vous conseille donc de vous diriger vers ce modèle. Et pour finir, la meilleure machine à café grains luxe, celle qui obtient les meilleures notes et arrive donc en tête de ce comparatif, c'est la Siemens EQ900. Et je peux te dire que j'adore vraiment le travail que la marque a fait sur cette référence, elle est juste incroyable. On est sur une machine à café qui est sortie en 2022, donc ultra récente, et ça se voit. Elle regroupe toutes les fonctionnalités qu'on peut attendre d'une machine à café ultra haut de gamme. Sur le haut de la machine, on retrouve ces 2 bacs à grains avec ces 2 broyeurs céramiques indépendantes, parfait pour les réglages, tout ça. Et devant, il y a son grand écran de 6,8 pouces. C'est super pratique pour une prise en main simple et intuitive et pour naviguer parmi le grand choix de boissons proposées. La machine peut aussi se piloter à distance avec votre smartphone ou votre assistante vocale grâce à l'application Home Connect. On a même une fonction qu'on ne retrouve pas ailleurs, l'Aroma System, qui va venir modifier automatiquement certains paramètres de l'extraction pour vous assurer un résultat en tasse optimal. Bref, elle est destinée à ceux qui veulent tout
presque, plein de boissons, du confort sonore plus, beaucoup de paramétrage et de la technologie de pointe. Je vous la recommande vraiment, si vous avez le budget, évidemment. Si vous avez atterri sur cette vidéo, c'est que vous aimez vraiment le café et que vous savez déjà que vous voulez mettre un certain budget dans votre machine. Mais bon, on sait que ça reste quand même extrêmement conséquent. Alors voici à quoi vous attendre si vous investissez autant. Déjà, la première raison pour laquelle vous allez payer un certain prix sur ces machines à café grain, c'est les technologies qui viennent avec. Encore une fois, un peu comme un smartphone, plus les technologies seront inventées et recherchées, plus que vous payez cher. Surtout, c'est dans cette catégorie où on commence à voir des systèmes double grain ou double broyeur. Et doubler une pièce maîtresse va forcément monter son prix. Mais les deux bacs avec réglage de finesse indépendant vont aussi dire qu'un grain pour monsieur et un autre grain pour madame est possible. Donc, fini les arguments de couple sur le café au moins. Sur les machines à café grain de ce classement, vous pourrez donc retrouver de tout. De quoi améliorer vos extractions avec le BeanAdapt System sur le Siemens EQ900 par exemple. Cette technologie vous servira à adapter le paramétrage de la machine en fonction du type de café utilisé. La Jura J8 vous proposera, elle, et c'est la seule sur le marché, le Sweet Foam, un petit accessoire qui vous permettra d'aromatiser toutes vos boissons lactées automatiquement. Mais c'est pas tout. Écran tactile, connectivité, application, ces machines à café grain sont à la pointe de la technologie, ou presque. Car c'est un peu le bémol sur cette gamme. Certaines machines luxe ne présentent pas autant de connectivité que d'autres. La WMF Perfection, par exemple, n'est pas connectable. Lisez donc bien les petites lignes avant d'investir ce prix-là dans une machine. Enfin, deuxième et dernier point qui va justifier le prix de ces espresso broyeurs, c'est le design. De l'inox brillant ou brossé, du verre trempé, hormis quelques exceptions sur la Nivona ou la Miel, par exemple, toutes les machines de ce comparatif sont composées de matériaux de qualité. Les contenants sont aussi très grands, de quoi faire pas mal de café. On monte jusqu'à 600 grammes en taille de bac à grains sur le DeLonghi Maestosa. Et esthétiquement, enfin, que des écrans tactiles ici, que vont mesurer jusqu'à 7,8 pouces dans le cas de la Seiko. Voilà, on a fait un tour complet des meilleures machines à café de la gamme luxe. Oui, ça représente un gros budget, ici plus que 1500 balles, mais pour des machines ultra haut de gamme, et on est au top de ce qu'on peut trouver sur le marché. Et on retient tout particulièrement notre coup de cœur, la Siemens EQ900. Alors, on est toujours très curieux, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous avez des questions, Julie, Emmanuel et Lucie se feront un plaisir d'y répondre. Vous pouvez retrouver le lien de notre article blog sur les meilleures machines à café à grains par tranche de prix dans la description. Et pour la plupart de ces machines, nous les avons également testées en vidéo sur YouTube, donc vous pouvez rester connecté. En attendant, moi je vous dis à bientôt et bon café.